Alors, je suis Laurence Bonnel-Aleno. Nous sommes à Beaupassage, dans la galerie Scène Ouverte, qui est la galerie que j'ai ouverte au-dessus de l'Alénothèque. Alors, le Beaupassage, c'est un passage entre la rue de Grenelle, la rue du Bac et le boulevard Raspail. À chaque entrée, il y a une très grande œuvre d'art faite par un artiste français. Et puis sinon, c'est un lieu de vie et un lieu d'art de vivre, surtout avec des grands noms de la cuisine française. Il y a la boulangerie Thierry Marx, il y a un café de Pierre Hermé, il y a Anne-Sophie Pic avec des verrines et la Lénothèque qui est un bistrot bien. Pour ce qui est de déjeuner, je déjeune très très bien au restaurant en dessous. C'est une galerie qui présente du mobilier d'art, de la céramique et des œuvres d'art. C'est pour ça qu'elle s'appelle Scène Ouverte. Et j'aime bien l'idée de créer quelque chose qui me ressemble et qui ressemble aux artistes que je réunis. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans cette galerie, c'est que tous les artistes qui sont réunis apprécient cet univers, apprécient le lien qui est créé entre chacun et qui crée un lien différent avec les collectionneurs. Je crois que ça, c'est le truc très important ici. Mon rôle de galeriste prend énormément de temps sur mon rôle de création, mais j'arrive à maintenir toutes les semaines des grands laps de temps de travail et de création également. J'accueille Olivier Massemonteil à l'occasion de la sortie de sa monographie. Et ensuite, ça donnera lieu à une exposition au mois de janvier.